en donc bien placé également, que ce soit certes. Ole Schnick, c'était le cas également avec Christopher de Souza, celui qui a été le lauréat cette année à l'occasion du Grand Prix de la Ville 2. Il a été le champion de Normandie, il a été le lauréat également sur le Grand Prix de Blangy, le passage pour les uns les autres, et ce à trois tours messieurs, de l'arrivée. Le trophée Joël Le Goff, dès à présent aux abords de ce podium. Trophée Joël Le Goff, le dernier écart qui était seulement de 15 à 18 secondes. Toujours est-il, c'est revenu également avec Gaël Malacarne, le maillot blanc qui est présent sur les avant-postes, aux côtés également du maillot vert avec une bagarre de tous les instants. Le passage, vous pouvez les applaudir avec, cette fois-ci à deux tours de l'arrivée. Nous sommes également avec les autres coureurs de la formation de Saint-Étienne, là aussi ça flingue. Nous avions le maillot rose, c'était le cas notamment avec Alexis Guérin. Nous sommes avec les autres sociétaires de l'EC Saint-Étienne, messieurs passage, et ceux à deux tours messieurs de l'arrivée. En revanche, ça devient délicat, que ce soit notamment pour Renan Polizac, Mathieu Alléguin, qui ont peut-être déjà beaucoup travaillé, Douglas Dewey. Signé avec les mains également qui vont se lever, on va les applaudir, s'il vous plaît. On va vous mettre à contribution pour les accueillir avec, du moins, ici sur l'ouverture avec Mike Terstra qui était sur les commandes, le coureur néerlandais qui avait remporté deux victoires sur la saison 2012, passage à un tour. Donc les deux coureurs néerlandais qui vont prendre le meilleur avec le sprint, ce sera bel et bien donc, pas de problème, ce sera Geert van der Weist qui s'impose, le brillant vainqueur, Geert van der Weist. Deuxième position ici, on avait également Kevin Powell, celui qui a été à deux reprises champion du monde en matière de cyclocross. Geert van der Weist, on l'accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Notre Majesté du Comité d'organisation, la deuxième dauphine, je vous en prie, du Fraise, c'est une rennaise. Merci à elle, Héloïse Mébel, qui est originaire, ça peut être de la région de Rennes, hein. Je ne me trompe pas parce que vous êtes nombreux sur les podiums, aux côtés de notre président du comité d'organisation, à la bagnole. De nouveaux applaudissements, s'il vous plaît, destinés à celui qui a effectué le sans faute cet après-midi, Geert van der Weist, qui avait remporté victoire d'étape sur le Tour de Gironde, qui a remporté également des victoires du côté de l'Allemagne. On a salué également nos amis de France 3 Bretagne pour la promotion de cette organisation, l'équipe de Gurven Musset. De nouveaux applaudissements, s'il vous plaît, qui sont destinés comme il se doit, et ce au coureur norvégien, puisque Hugues, cette fois-ci avec Avar Blikra pour le combiné. Merci à lui. Je t'en prie pour la remise donc du trophée Solange à nos côtés, pour la remise du trophée Guy Goubin. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci de le saluer une nouvelle fois. Merci. Harris Orbe, le meilleur grimpeur. Merci. Qui a terminé deuxième cette année sur la Ronde de Lézard, deuxième également sur le Tour de Madrid. Il avait été le troisième du championnat d'Espagne des espoirs sur la saison 2012. Et merci à celui également qui a été vice-champion du monde des poursuites. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, Cem Rogers. Qui sera des plus chaleureux, le vainqueur de la 18e édition, Nicky van der Leyck. Sous vos applaudissements, on peut l'applaudir encore plus fort. S'il vous plaît, merci de l'applaudir. La route qui a été longue, un effort des plus superbes. Merci avec la remise, Michel Danjou. Il va lui remettre, ce sera le Rochette Gouen, aux côtés d'Alain Maniel.
aux côtés, puisque nous sommes avec monsieur Alain Roland. Merci aux adjoints également d'Eurostronat. Et visiblement, on se retrouve sur le podium avec notre majesté. Je vous en prie. De nouveaux applaudissements, Alain, s'il te plaît. Tu vas avancer peut-être aux côtés du brillant vainqueur du classement général. Vos applaudissements une nouvelle fois pour le vainqueur du classement général, Nicky Van der Leyck de la formation Rabobank. Ils ont été superbes, s'il vous plaît, 30 secondes d'applaudissements pour l'ensemble des lauréats. On s'en donne à cœur joie, vous pouvez les applaudir. Allez, encore plus peur, comme pour une arrivée au sprint avec de nouveaux applaudissements, encore 10 secondes. Merci de les saluer, merci.